Ton corps est toujours aussi magnifique, ma Rose. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentrée ici? Oh, ça va. Attends, c'est pas la première fois que je te vois nue. Où sont les gardiens? T'inquiète pas. Toi-même, tu sais, je suis discret comme un voleur et puis vos gardiens, ils sont pas très fiables. Écoute, je t'ai dit de me laisser un peu de temps. Et moi, je t'ai dit que je n'avais plus de temps. Je veux mon argent aujourd'hui. Je te laisse 30 minutes. Mais t'es malade! Comment tu veux que je trouve 10 millions en 30 minutes? C'est impossible. Ok, ok. Je vais descendre au salon. Je vais aller discuter avec ton mari. Je vais lui raconter cette belle histoire. Celle d'une fille de joie, Rose, devenue Claudine. La femme d'un milliardaire. Ok, d'accord, d'accord, stop. Non, mais... Arrête, attends. J'ai une solution. Laquelle? Le bureau de mon mari au travail. Je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant pour toi là-bas. Non mais t'es folle. Tu veux que j'aille cambrioler dans un endroit bourré de vigiles? Ça va, les vigiles sont... Ils surveillent très peu l'endroit. En fait, il y a une porte derrière l'immeuble qui est très peu surveillée. Genre comment? Ben, je te donne les clés. Je donne les clés de la porte d'en bas, je donne les clés du bureau de Faustin. L'argent se trouve dans un double fond de son bureau, dans le deuxième tiroir à gauche. Il y a au moins 10 millions là-bas. On garde ça pour les urgences. Il y a combien de vigiles à l'intérieur? Maximum 2. Ils surveillent plus l'extérieur que l'intérieur. Tu seras tranquille. Par contre, il faut que tu ailles au moment de la relève. Il y a toujours un battement de 10 minutes entre les deux équipes. Je pense que tu pourras opérer à ce moment-là. À quelle heure se fait la relève? 20h pile. Qu'est-ce que tu décides? Tu fais ou pas? Tu me fais un plan détaillé de l'endroit où se situe le bureau de ton mari et tu m'apportes les clés. Ok. Très bien. Par contre, Rostand, écoute-moi bien. Je vais descendre te remettre les clés dans le jardin tout à l'heure. Quand tu auras fini, tu me rends les clés du bureau de Faustin. Tu me rends toutes les copies des images, des fichiers que tu as conservés de moi. Et ensuite, tu t'effaces complètement de ma vie. Est-ce qu'on est d'accord ?